le rôle de directrice de cours est un rôle hyper intéressant parce que c'est un rôle touche à tout. Bien sûr, tu es dans l'aspect sportif, donc tu vas aller repérer les étapes, tu vas être dans la création du parcours, alors aider de toute une équipe, hein, aider d'ASO. Les premières étapes ont fait un carton d'audience et on s'est posé la question à un moment de savoir si c'était l'effet curiosité, nouveauté qui avait emmené les gens et entraîné les gens devant leur télé. En fait, on s'est aperçu que les audiences ont fait comme ça au fur et à mesure des étapes. Donc, ça a vraiment montré l'intérêt des gens, du public. Ils n'ont plus fait justement de différence entre les hommes et les femmes. C'était la 4e semaine du Tour de France. Et donc, la 2e édition sera également une réussite et d'ailleurs avec une nouveauté, puisqu'on passe de France 3 à France 2. C'est vraiment un spectacle que tu as envie de venir regarder et en famille. C'est un esprit bon enfant. Et surtout, moi, j'ai vu que les gens avaient joué le jeu. J'ai vu des gens nombreux au bord de la route, j'ai vu des déguisements, des sourires, et c'était formidable à vivre. Dans notre esprit, le Tour de France Femmes, on a envie qu'il soit encore présent dans 100 ans. Il y avait des Tours de France féminins dans les années 80 et finalement, c'était jamais le bon format puisqu'on mettait tout le temps la clé sous la porte. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'évoluer au même rythme qu'évolue le cyclisme féminin. Il y en a tout au long de l'année. Moi, je les commande pour France Télévisions. On commande du cyclisme féminin. Mais la caisse de résonance qu'a le Tour de France et notre grosse force, c'est que le Tour de France intéresse des passionnés, mais pas seulement. En mois de juillet, tu regardes le Tour de France pour les paysages, pour la course évidemment, mais pour tout ce qui va autour. Et le cyclisme féminin avait vraiment besoin de se faire connaître pour amener les médias évidemment, hein, ça a été retransmis dans plus de 190 pays dans le monde, mais également amener des sponsors. Donc on a vraiment envie d'axer, de ne pas aller trop vite. Voilà, ça reste une course par étape de 8 jours, mais on a vraiment repris les mêmes codes pour s'inscrire dans le temps et faire rentrer le Tour de France femme dans l'histoire.